Hier, j'ai vu un documentaire sur les hyènes. C'est touchant comment les petits imitent leur mère. C'est ce qui fait toute la différence entre les animaux et les hommes. Hein. Eux, ils obéissent sans retenue à leur instinct, alors que nous, notre morale, notre conscience, hein, nous permettent de retenir ces actes instinctifs. Ouais, laisse tomber. Non, non, je comprends. Là, j'ai conscience de mon acte, c'est ça? Oui, et moi, ma morale me dit que c'est mal. Et m'empêche de le reproduire. C'est pas la trouille? Aussi. Ouais. Violence, de la violence, toujours de la violence! Il y en a qui aiment. Ah non, mais je t'assure, on vient d'essayer de me voler mon sac. Bon, c'est vrai qu'il est pas tout neuf, mais quand même, j'y tiens parce que dedans, j'ai des photos de mes gosses. Oh, il y en a une qui est superbe avec ma petite dernière sur son char à la fête des fleurs. Ah oui, puis comme j'ai perdu les négatifs, eh ben, je me suis défendue. Ah ouais? Ah oui! Oh, j'ai tapé si fort sur la tête de mon voleur avec mon parapluie que je l'ai cassé. Mon parapluie, pas la tête du voleur. Intéressant. Ah oui, puis je lui ai donné des coups de pied dans le tibia. J'en ai rayé mes escarpins, dis donc. Et puis quand il a lâché mon sac, ben, je lui ai donné un grand coup là, puis il s'est enfui. Un low kick et une attaque à la jugulaire. Imparable. Ah, ça me fait du bien de t'en parler, André, parce que j'avais tellement l'impression de rajouter de la violence dans un monde où il y a déjà tellement de violence. Merci, André. Oh, Jeanne! Joli sac. Oh, je l'aurai. Serge. Ouais. Je suis amoureux. Mais du qui? Mais c'est qui? Quelqu'un d'ici? Une femme comme je les aime. Le bourre-pif à fleur de peau. Jeanne. Ah oui? Ah ben non! Ah ben non, c'est pas possible, Jeanne. C'est à moi, Jeanne. Enfin, d'un autre côté, si la concurrence est loyale, chacun sa chance, hein. Moi d'abord, tu vas me décrocher un rancard avec elle. Ah oui, mais non, non, je peux pas, là. J'ai pas bien compris, là. Je sais pas si je pourrais la convaincre. Pff, à quelle heure ça t'arrangerait? André veut un rendez-vous avec moi? Voilà. Moi, j'aime bien les hommes virils, mais j'aime bien ceux qui me rassurent, pas ceux qui me font peur. Ouais, t'inquiète, il faudra d'abord qu'il passe sur mon corps avant de passer sur le tien. Enfin, si tu pouvais lui dire non sans le vexer, ça m'arrangerait, quoi. Tu sais, à part toi, j'ai pas l'habitude de dire non. J'ai peur de fourcher. Mais je sais pas, tu lui dis oui, puis après tu lui poses un lapin en lui disant qu'une de tes filles est malade. Mais elles sont pas malades, mes filles. Non, c'est un exemple, Jeanne. Attends, laisse-moi parler. Elle est d'accord. Sauf si une de mes filles est malade. Ah. C'est bon. Vaudrait mieux pas. Mais c'est ma fille à la fête des fleurs. Je sais, je te l'ai piqué dans ton sac. T'es à 22h, la châtaigne qui vole, où elle flambe. Prévois un string. Serge, dis quelque chose. Quelle couleur, le string? Oh là là là. Je suis couverte de bleu. André t'a violenté? Je m'en veux tellement t'avoir laissé dans les mains de cette brute, là. Bah lui, s'ils ont les gros tétons. Et oui, parce que la châtaigne qui vole, c'est une boîte de cache féminin à la boue. Ah oui? Il m'a obligée à combattre Susan. Et comme c'est une spécialiste de l'étouffement, ma mère, oh là là, je me suis pris une de ses raclées. Alors, quelque part, tant mieux, parce que le premier prix, c'était de se faire accompagner par André. Oui, tant mieux, tant mieux. Dis-moi, il me vient une idée, là. Un combat mixte dans une brouette de glaise, ça te tenterait? Je te laisse le temps de réfléchir, hein. Hé, Jeanne, et dans une brouette, sans la glaise. Hé, Jeanne.